Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Je voulais qu'on réalise ensemble des petits fonds de page à l'aquarelle. Alors, je vous explique, dans mon junk journal, je vous avais montré à un moment que j'utilisais un fond de page que j'avais fait, vous savez, avec des feuilles comme ça, donc à l'aquarelle. Et vous aviez été plusieurs à me demander en fait comment réaliser ce fond de page. Donc je voulais qu'on parte sur quelque chose d'un peu comme ça pour réaliser peut-être un petit album. Je suis partie d'un nouveau papier que j'utilise pas habituellement. C'est un Canson de 150 grammes. Il est plutôt blanc. C'est du papier aquarelle. Il a un côté un petit peu granulé et un côté très lisse. Mais je pense qu'au niveau tamponnage, ça devrait être intéressant quand même. Et ça permet de donner un peu de matière à l'aquarelle, ce qui parfois est assez joli par rapport aux pigments. Alors j'ai découpé trois morceaux de papier. Donc ces morceaux de papier font 16 par 21. L'idée étant après de les plier en deux pour faire un petit album tout en longueur. Voilà, donc on va travailler ces trois feuilles. Alors on va choisir un combo de couleurs. J'avais envie de partir sur des couleurs assez claires. Du coup, des bleus peut-être ciel. Alors je vous montre un peu mes idées. J'ai un petit peu commencé à faire des essais. L'idée, oui, c'est de faire des feuillages superposés à l'aquarelle, donc travailler sur la transparence avec des couleurs assez douces. Ou alors vous pouvez aussi partir sur des couleurs très très denses. Bon, ça c'est des petits essais comme ça. Des couleurs plus dynamiques. Ou alors si vous voulez, donc je vais partir plutôt sur des couleurs assez douces. Donc on va partir sur des bleu ciel. Et puis ce rose qui est le rose flamant rose. Donc là je pars sur des couleurs artisanales, des aquarelles artisanales. Qui s'appelle les couleurs VF. Donc je vais partir de cette couleur qui est glacier et de flamant rose, je pense. Alors la première chose à faire, c'est de préparer son mélange. Donc comme vous aimez bien voir mon pot d'eau, là ça sera pour préparer mes couleurs. J'utilise pour l'instant un pinceau, n'importe, pour préparer les mélanges, c'est pas grave. Je vais préparer dans une fleur en porcelaine. Alors, je vais commencer par mes tons bleus. Donc, je dilue mes pigments. Alors, il est très clair, hein. Je ne sais pas si vous voyez vraiment un bleu très très clair, un peu laiteux. Vous pouvez toujours faire un essai pour voir s'il correspond à vos attentes sur une feuille d'aquarelle. Donc, vous voyez, c'est un bleu très laiteux. Peut-être rajouter une petite touche de bleu pour l'accentuer très légèrement. C'est un bleu glacier, donc forcément, voilà. Donc là, c'est un peu mieux. Vous préparez un jus, donc déjà assez liquide, un jus assez clair et pas mal de quantité. Voilà. Ensuite, vous allez prendre un pinceau qui est. Vous pouvez rester avec celui-là, c'était un Escoda 8. Mais il faut un pinceau qui prend quand même pas mal l'eau. Donc, je rince l'autre. Et je pars sur un Raphaël 3.0. Donc, c'est un petit gris qui vous permet vraiment. Qui est vraiment un pinceau d'aquarelle. Et pour l'exercice qu'on va faire qui est bien. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Partez sur un pinceau de ce type qui soit à peu près de cette taille. Parce que l'idée, c'est de faire des feuilles. Donc il vous faut une brosse ronde. Et je vais vous montrer un petit peu. Alors, j'ai rien inventé, hein, c'est les aquarellistes qui font ça. Vous prenez un peu de matière, vous essuyez quand même votre pinceau sur le rebord de votre fleur. Pour qu'il n'y ait pas trop d'eau. Et vous allez faire un premier trait qui correspond à la tige de votre feuille. Ensuite, vous reprenez de la matière, vous essuyez. Je trouve que c'est un peu trop
clair. Voilà. Donc vous reprenez de la matière, vous essuyez sur le rebord et vous allez faire une première feuille. Donc vous faites au départ un petit trait de départ. Votre pinceau donc s'aplatit et vous le relevez légèrement pour faire la pointe. Et vous allez recommencer plusieurs fois. Donc c'est normal que ce soit très clair. Il ne faut pas que ça fasse des poches d'eau trop importantes. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à aller récupérer la poche d'eau, le petit coussin là que vous voyez, parce que sinon ça va faire une auréole. Et ce n'est pas forcément hyper joli. Voilà. De l'autre côté, de façon décalée, vous allez faire la même chose. Le plus compliqué, c'est le dosage de l'eau. Voilà, votre première feuille est faite. On va en refaire une autre. Donc, on peut très bien légèrement foncer notre jus initial pour la faire légèrement plus foncée. Donc de la même façon, on attend que ça sèche hein, quand même. Alors une fois la première tige donc sèche, on va enchaîner sur la deuxième. Voilà, elle est légèrement plus foncée. On laisse sécher, on va préparer un autre jus un petit peu différent, un bleu. Voilà, mon dégradé de feuilles. Vous laissez sécher et on voit ce que ça donne. Donc là, ce que je trouve, c'est que celle-ci est très claire. Donc je vais en refaire une autre pour habiller de l'autre côté. En partant d'ici. Voilà. Alors, je vais prendre une autre de mes pages et puis je vais en faire une autre. Cette fois, je vais partir sur du rose. Donc, pareil, je dilue beaucoup. Avec la pointe, je fais la tige. Voilà, donc là j'ai fait plusieurs feuillages dans différents sens. Une fois dans ce sens, une fois dans ce sens. Après, ça sera à vous à garder ce qui vous plaît le plus. Et vous continuez comme ça à faire des essais. Voilà, j'aime bien cette couleur, je vais partir là-dessus.
Je fonce très légèrement. Je commence de ce côté comme ça, l'autre côté en train de sécher. Et c'est reparti. J'appuie, je soulève la pointe. J'appuie, je soulève la pointe. J'appuie sur le pinceau, je soulève au moment de la pointe. Si je vois que là, ça fait, il y a un surplus d'eau, je peux repasser et aller chercher le surplus pour pas que ça fasse d'auréole. Je passe par-dessus l'eau de feuillage et c'est cette transparence qui est jolie. Plus vous en ferez, plus vous aurez le bon geste et vous aurez le meilleur dosage d'eau. Donc là, on est sur des choses très très claires. Mais j'aime bien. Je cherche une autre couleur, c'est un peu trop foncé. T'en vers un rose un peu plus rose. Voilà. J'aime bien. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Alors, ce que je vous propose, c'est d'en faire encore un. Et puis, bien sûr, après, on gardera les préférés. Je vais repartir sur cette fois un bleu. Je choisis donc un autre bleu, un petit peu différent, un petit peu peut-être plus intense. Je monte d'un ton, c'est-à-dire que j'utilise cette fois un petit peu plus pigmenté. Je rajoute du pigment, donc de l'or de quinacridone et puis la gomme gut, j'aime bien. Et là, on est quand même assez jaune, un jaune très lumineux. Donc l'aquarelle, il ne faut pas repasser 10 000 fois. Sinon après ça fait des traces, on voit les marques de pinceau, c'est pas très joli. Il faut vraiment avoir un geste assez fluide et du coup le poignet assez souple.
je vais ajouter un tout petit peu de rose pour avoir une couleur légèrement différente. Et faire un dernier feuillage. Voilà. Donc je regarde un peu tout ce que j'ai fait. Alors, l'idée, c'est de voir ce que ça donne en pli en deux. Donc je plie à 8. Alors voilà le résultat. Je vais garder celle qui me plaise le plus. Le fait d'avoir plié dans la longueur, ça accentue les feuillages. Alors je vais déjà partir sur ces deux-là. En fait, l'idée, c'était peut-être de partir des papiers Alexandra Reinke. Donc je sais pas. C'est pour ça que j'avais choisi un petit peu ces couleurs, vous voyez, ça et ça, et cela aussi. Donc je me disais du coup que le rose serait assorti. Donc je peux peut-être plier le papier Alexandra Reinke qui est comme ça. Et celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Et je trouvais qu'il allait bien aussi avec cet assortiment de couleurs. Dans les tons jaunes aussi. Alors, il faut qu'on termine en fait nos petits fonds. Alors, on va commencer par celui-là. Donc là, l'idée, c'est de partir d'un tampon feuillage. Donc là, c'est un tampon feuillage de l'encre et l'image. Et de le rajouter par-dessus. Donc en noir ou en gris, peut-être en gris. Donc en gris pour que ce soit un petit peu plus doux. Alors j'ai travaillé un petit peu la mise en page à partir donc de mon fond. J'ai colorisé et détouré un petit tampon donc de l'encre et l'image. J'ai aussi rajouté quelques textes, donc pareil, des mêmes tampons. Et puis un petit papillon donc de Chou & Flower. Voilà, je suis restée dans des tons assez pastels, assez neutres, pour que ça soit harmonisé avec le reste de mon album. Donc voilà. Donc voilà, j'ai découpé mon papier Alexandra Reinke, le motif qui me plaisait le plus, donc le motif central, et de façon à pouvoir le mettre derrière, de façon à le coller derrière ma page que j'ai déjà faite. Donc je vais la plier en deux et puis l'assembler. Voilà, j'ai terminé ces deux doubles pages, donc celle-ci, puis j'ai collé les papiers Alexandra Reinke derrière en rajoutant quelques fleurs pour habiller le papier, et puis j'ai ajouté un petit peu du texte. Voilà. Alors, j'ai un petit peu avancé le petit carnet. Donc, j'ai collé le papier Alexandra Reinke avec la jeune fille de dos. J'ai rajouté certains éléments, donc comme par exemple ces fleurs-là par-dessus.
Le titre Passion, donc ça c'est un tampon chou and flower. La petite guitare aussi qui est un tampon chou. Voilà, j'ai rajouté un peu des mots, des textes. Là c'est un tampon à l'encre l'image. Alors, ça vous aviez vu. Ensuite, ce que j'avais envie de faire, c'est continuer avec cette dernière double page. Peut-être que j'insérerai ici. Peut-être pour mettre comme un titre. Donc là, j'avais envie de partir de ces tampons-là. Donc ça, c'est une planche chou and flower également. De faire un petit montage avec différentes fleurs à voir. Et dessous, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné donc cette feuille, cette branche en fait de feuilles, pour un petit peu habiller le pourtour. Voilà, donc je vais peut-être partir sur quelque chose comme ça. Et puis ensuite, je verrai pour faire une petite couverture à partir soit du nid. Voilà, il me reste ces unis-là qui sont complètement assortis. Soit celui-là qui est plutôt plume. J'ai pas encore réfléchi sur ce qui ira le mieux, mais je vais avancer dans ce sens-là. Alors, j'ai préparé donc mes petits embellissements que j'ai fait à l'aquarelle, bien sûr, toujours un peu dans le même combo de couleurs. Les petites feuilles, j'ai rajouté un jus très transparent, coloré, très dilué, pour donner un petit peu de couleur à tout ça. L'idée étant de positionner mes petits embellissements. Voilà, de faire quelque chose comme ça. Voilà, avec un texte par-dessus, un petit mot. Voilà. Et puis avant, donc, ce qu'on va faire, c'est que on va rajouter des petites giclures. C'est ce que j'ai fait pratiquement à chaque fois. Donc, je vais préparer des petites giclures bleues. Voilà. Et puis, je vais faire de la même façon avec flamant rose. Voilà. J'assemble tout ça et je reviens vous montrer. J'ai terminé la dernière page, j'ai mis un petit titre. Donc avec cette planche de tampon, j'ai utilisé le demi-cercle et puis le petit texte. Et puis là, j'ai assemblé différents tampons que j'avais préalablement détourés. Colorisation toujours à l'aquarelle. Mes petites taches donc ont séché et donnent cette impression de un petit peu vaporeux, donc ce que j'aime bien. Je vais donc il ne manque plus qu'à assembler cette première page ici. Donc quand on assemble, je vous rappelle juste que on ne colle pas jusqu'au bout, de façon à ce que le petit carnet puisse s'ouvrir aisément. Ici, il faut qu'il y ait au moins 2 cm, 1 ou 2 cm qui ne soient pas collés. Voilà. Et puis après, on va faire une petite couverture et l'album sera terminé. Voilà. J'ai collé cette page. Donc voilà. Ensuite, par rapport à la couverture, il me restait encore un morceau de papier, mais pas suffisamment grand. Donc ce que j'ai fait, c'est que je voulais en fait que la couverture soit à peu près comme ça. Et ici, il me manque une bande en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est... Donc là, j'ai plié à 8 cm et j'ai fait un pli d'environ 1 cm à 8 cm, ce qui fait que d'un côté j'ai 7 cm, 1 cm et ensuite 8 cm. Donc voilà, ici j'ai mes 7 cm, ici j'ai 1 cm sur la tranche et mes 8 cm. Et je vais dessous coller un morceau de papier
Donc voilà, mon album sera de cette façon. Dessous, je vais coller un petit morceau, une bande de papier, donc là, de ce bleu. Et puis, voilà. Et là, je vais peut-être habiller un petit peu aussi, mettre des giclures d'abord, et coller tout ça. Alors voilà, j'ai collé une partie, la première partie, donc le dos d'abord. Ce qui est important quand on colle, c'est d'ajuster exactement à la pliure, le premier. Là, j'ai fait mes giclures parce que j'avais oublié de les faire avant. Donc des giclures de deux couleurs, très légèrement rosée et un petit peu bleue. J'attends que ça sèche et ensuite, je viendrai coller la deuxième partie en tirant légèrement pour que ça s'ajuste exactement à la deuxième pliure. Voilà, et il y aura une partie qui va dépasser. Voilà, le petit album prend forme. On commence à réfléchir peut-être à la première page, au titre. Alors, j'ai fini l'assemblage de la couverture. Donc, j'ai collé le morceau de papier bleu dessous. J'ai fait une petite déco par rapport à, enfin, avec des tampons, un mélange de tampons chou and flower et l'encre et l'image. Un petit texte tampon chou, là aussi, au fil des saisons. Et puis derrière, de la même façon, donc j'ai un petit peu agrémenté, si je vous montre comme ça, mon fond de page initial, donc fait à l'aquarelle, avec les petites taches, et puis voilà, des petits tampons pour donner un peu du relief. L'album est terminé, donc là, j'ai mis un œillet pour permettre la fermeture. Tout simplement, donc comme ceci. Donc je vous présente l'album terminé, le système de fermeture avec un petit ruban bleu donc assorti qui fait tout le tour de l'album et juste qui ferme par un petit nœud ici. Voilà, avec la petite déco sur la première page, le fond de page qui apparaît toujours en filigrane à l'aquarelle avec de la transparence, le petit tampon chou and flower donc ici et puis un petit tour de noir donc avec un permanent noir très fin. Ici donc c'est un 0,2. Des petites touches de Posca blanc à certains endroits. Une fois qu'on ouvre l'album, donc il y a la première page que je vous ai montrée avec essentiellement des tampons chou and flower ici. Et ici un petit titre, émotion. Voilà, papier Alexandra Renke, donc premier papier sur lesquels j'ai rajouté un petit peu de déco, avec notamment aussi la guitare, différents tampons, un texte aussi, passion, pour raconter une histoire. Hein, l'intérêt de ces petits albums, c'est de raconter une histoire, de projeter le lecteur dans son univers. Ici, donc, avec quelque chose d'assez fleuri. Un autre papier Alexandra Renke, donc. Pareil, donc avec une petite scénette à l'intérieur, donc très cosy. Là, je rajouterai quelques touches de Posca blanc, effectivement aussi. Voilà. Et puis la dernière page avec donc ce tampon All and Create, donc un petit lapinou hein, que j'aime bien. Voilà. Et puis des petites étoiles choux. Et puis des tampons l'encre et l'image. Des petits textes aussi, chou and flower. J'aime bien mélanger toutes les marques de tampons, chacune apportant son style. Et puis on ferme et on découvre encore une petite déco avec du feuillage et une fleur. Voilà. J'espère donc que cet album vous aura plu. Vous pouvez trouver toutes les fournitures donc sur la boutique Kerglaz, à la fois les tampons, les papiers Alexandra Renke. Et puis tout le matériel nécessaire à la réalisation de ce petit album, voilà, sur la boutique Kerglaz. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À très bientôt. Et n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce si c'est le cas, à mettre en commentaire vos remarques. Si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. J'adore vous lire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Voilà, à très vite.